Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Je sais, ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo facecam. On va pas se le cacher, j'avais pas le temps. J'ai beaucoup travaillé sur des vidéos histoire, etc. J'ai carburé de ouf. Là maintenant, on va essayer de revenir à un standard de vidéo où je lis des articles et tout. De toute façon, vous m'avez rendu fou avec cet article sur Facebook, surtout sur Twitter. Quand même, vous êtes venu sur mon Twitter me parler en privé, ça fait plaisir. Ouais, il y a un article sur jeuxvideo.com qui parle de Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII. Soi-disant que FF16 est plus excitant que Rebirth et tout le bazar, on verra. Et de toute façon, on voit le titre. Pourquoi Final Fantasy XVI est bien plus excitant que Final Fantasy VII Rebirth? Faut savoir que moi, j'attends les deux jeux comme un psychopathe. Mais si je devais choisir, ce serait Rebirth. Parce que Rebirth, c'est du Final Fantasy VII, mais qui va nous ramener du nouveau. Mais Final Fantasy XVI, je l'attends comme un dingue. On va pas se mentir là-dessus. Alors, normalement, dans la logique des choses, le mec, ça veut dire de X Sable, qui écrit cet article, c'est son opinion. Monsieur n'est pas force de loi. Il doit à un moment dire quelque part que c'est son opinion, sinon ça va pas le faire du tout. On va commencer. Pourquoi Final Fantasy XVI est bien plus excitant que Final Fantasy VII Rebirth? Je suis curieux de savoir, de connaître son avis et surtout comment il va développer tout ça. De toute façon, ça doit être ses goûts. C'est pas possible, il peut pas venir et nous dire « Ouais, c'est mieux, blablabla ». Alors que la sortie de Final Fantasy XVI approche à grands pas, de nombreux fans semblent avoir porté leur attention sur le prochain jeu de la licence, à savoir Final Fantasy VII Rebirth. Pourtant, le nouvel épisode numéroté dispose de solides arguments pour attirer aussi bien les habitués de la franchise que les nouveaux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Disclaimer, cet article est un billet d'opinion. Ouais, je me disais bien. Il est par nature subjectif. L'avis de l'auteur est personnel et n'est pas représentatif de celui du reste de la rédaction JV. Je me disais bien, il devait préciser, c'est obligé. Alors, non, ce billet n'est pas là pour dire que FF16 sera forcément meilleur que Rebirth, qui est condamné à être moins bon, voire mauvais, compte tenu à ce qu'on a pu faire dans Final Fantasy Remake. C'est une catastrophe, dans le sens où on me bombarde encore aujourd'hui. Ouais, Final Fantasy Rebirth, ça va être de la merde. Après ce qu'ils ont fait, après le gâchis, le foirage du remake. Les gars, le remake, il a déglingué. Le remake, il s'est vendu de ouf. Ça a cartonné du tonnerre. Mais bon, voilà, ça c'est les aficionados qui disent « Ouais, mais voilà, c'est pas Final Fantasy VII. » Et encore aujourd'hui, on me casse les couilles avec ça. C'est bien qu'il précise ça. Il paraît bien impossible que cette suite se plante avec des bases aussi solides. Au contraire, le but de cet article est de mettre en lumière des éléments du prochain épisode numéroté que vous avez peut-être manqué et qui valait le coup de s'enthousiasmer avant sa sortie. Histoire que tout l'engouement autour de Rebirth se partage mieux entre les deux titres. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est très bien ce qu'il dit. Le meilleur des deux mondes du jeu vidéo japonais. Dès son annonce, Final Fantasy XVI en a surpris plus d'un avec son approche entièrement tournée vers le jeu d'action. Si FF15 avait déjà entrepris ce virage avec son monde ouvert, Final Fantasy Remake lui a emboîté le pas en proposant une formule hybride, clairement. Avec l'introduction de la jauge ATB caractéristique des précédents jeux de la franchise au tour par tour. Mais FF16 va plus loin en allant carrément flirter avec le beat'em up. Si cela avait de quoi être surprenant au premier abord, en découvrant les personnes impliquées dans le projet, les doutes se sont vite dissipés. Au poste de directeur des combats, on retrouve un certain Ryota Suzuki, qui a fait en grande partie sa carrière chez Capcom. Après avoir été planificateur des combats de Devil May Cry 4, il devient designer sur Dragon's Dogma et Devil May Cry 5, tandis qu'il occupe le rôle de programmeur sur Monster Hunter World entre-temps. On voit que ce Ryota, c'est un pro, ben, tout ce qui est jeu d'action. Il a travaillé sur Capcom, Devil May Cry 4, on aime ou pas, Dragon's Dogma, j'ai beaucoup aimé. DMC 5, l'histoire n'était pas terrible, mais le gameplay était très bon. Et Monster Hunter World, que j'ai adoré. C'est donc quelqu'un qui s'y connaît en jeu d'action et qui apporte une aide précieuse sur le projet. Moi, je me souviens à l'époque quand on avait parlé d'FF16 et qu'on disait « Ouais, ça va être un putain de jeu d'action et tout le bazar », moi, j'étais content. Moi, ça me dérange pas. On voyait que la saga Final Fantasy tendait vers le jeu d'action. Et si tu nous mets un pro qui s'y connaît là-dedans, ben moi, je dis oui, il n'y a pas de problème. Toute chose doit évoluer. Les choses qui n'évoluent pas sont sujettes à disparaître. Ça, c'est sûr et certain.
Avec ce recrutement à un poste de directeur des combats, on dirait bien que FF16 est sur le point de rassembler le meilleur des deux mondes du jeu vidéo japonais. Je m'explique. Durant longtemps, le nom de Final Fantasy était synonyme de plusieurs qualités que l'on retrouvait dans les titres japonais. Une histoire bien écrite et prenante, un univers captivant et une bande-son mémorable. Tout ce qu'on retrouve actuellement dans FF14. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ensuite la partie du jeu de rôle au tour par tour qui a pu en rebuter plus d'un. En partie en Occident, où les joueurs sont moins friands de ce genre d'expérience. De l'autre, on a Devil May Cry, série référente du jeu d'action, qui continue de prouver que le beat'em up n'est pas mort et qu'il donne naissance aux systèmes de combat les plus complexes et visuellement impressionnants qui soient. Vous me voyez venir avec mes grands sabots, mais FF16 semble bien être parti pour être la somme de ces deux facettes du jeu vidéo japonais. Je suis d'accord avec ce qu'il dit pour le moment, mais on va voir au niveau du jeu d'action ce que ça va donner. D'un côté, toutes les qualités de la narration et de l'écriture du jeu de rôle, et de l'autre, le système de combat riche et poussé d'un beat'em up. Et ça, c'est un mélange qu'on a rarement eu l'occasion de voir et qui rend donc la sortie d'FF16 très excitante. Je vais être clair et net, moi, FF16, il me botte de ouf. Même le gameplay, moi ce qui m'intéresse dans les Final Fantasy, c'est l'histoire, c'est les personnages. Les personnages ont eu un charisme de ouf, rien que dans le dernier trailer quand on a vu Clive dire « Ifrit, viens à moi, c'est bon !» Là c'est bon, je veux jouer au jeu, rien que ça, mais pour dire que les personnages ils ont du charisme. Et si c'est un jeu de rôle, si c'est un jeu d'action, ben c'est un jeu d'action, ça ne me dérange pas. Moi ce que je veux, c'est l'histoire. Il y en a blindé, ouais, mais c'est un jeu vidéo, il faut penser au gameplay. Chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est l'histoire qui m'intéresse. Et si à côté, il y a un bon jeu, il y a un bon gameplay dynamique, action, ben moi, je dis oui, il n'y a pas de problème. Alors, un projet mené par une équipe moins connue de FF. Au-delà de son directeur des combats, Final Fantasy XVI est un titre qui s'annonce captivant par le casting qui en est à l'origine. Il s'agit des développeurs dont le travail est moins connu sur la licence, mais qui sont pourtant à l'origine de nombreux jeux considérés comme cultes. Du côté de Final Fantasy Rebirth, on retrouve la Creative Business Unit 1 de Square Enix dirigée par Yoshinari Kitase. Là, clairement, on le sait, la trilogie du remake, c'est les personnes qui ont bossé sur FF7 à l'époque. Clairement ça. Une équipe qui a fait les grandes heures de la saga, Final Fantasy 7, 8, 10, comme des projets moins bien reçus, comme FF12 ou encore la série des Final Fantasy 13. On dit bien FF 7, 8 et 10 parce qu'ils ont travaillé sur ces jeux. Par exemple, il n'a pas mis le 9 parce qu'ils n'ont pas travaillé sur le 9e opus. On se comprend. Autant dire que les productions de cette division sont les plus connues du grand public et qui ont aidé à forger sa réputation aux yeux du monde entier. Si vous voulez en savoir plus sur la répartition des équipes entre les projets FF, on vous met un petit schéma plus bas. Ça, c'est intéressant. Final Fantasy XVI est développé par la Creative Business Unit 3, dirigée par Naoki Yoshida. Il s'agit de la division qui s'occupe de la partie MMORPG de Final Fantasy, à savoir FF11 et bien évidemment FF14. D'ailleurs, c'est sous la houlette de ce dernier que FF14 a rencontré la popularité qu'on lui connaît aujourd'hui, au point d'aller concurrencer World of Warcraft. Fort de ce succès, la division a eu le droit de développer un nouvel épisode numéroté de la franchise, le fameux Final Fantasy XVI. Qui nous intéresse aujourd'hui. Trop occupé à être le réalisateur et producteur de FF14, Naoki Yoshida n'est que producteur sur FF16. Faut pas oublier les gars, il est que producteur, parce que lui, il est déjà pris par FF14 à plein temps. Il est producteur. Hein. Ce qui lui confère tout de même un rôle central sur le projet. Ne vous y trompez pas. Et puis, on retrouve à la plupart des rôles clés des hommes de confiance qui ont aidé au sauvetage de FF14, premier du nom, pour passer à FF14 Real Reborn. Ce qui témoigne d'une certaine continuité entre les deux œuvres. Alors, ainsi, Hiroshi Takai est le réalisateur de FF16, lui que l'on connaît récemment pour avoir été assistant réalisateur sur la version 2.0 de FF14, ça veut dire FF14 Real Reborn, on est d'accord là-dessus. Aux côtés de Yoshida, par le passé, il avait travaillé sur les combats de Romancing Saga, puis sur les effets de Final Fantasy XI, avant d'être le réalisateur de Last Remnant. Du côté de la musique, on retrouve Masayoshi Soken, un monstre. Ce Soken, il est juste monstrueux dans la musique. N'hésitez pas à aller voir les tier list de Sephrius, il a fait les tier list musique, pas tier list, son top musique des FF14, c'est un truc de ouf, hein, je vous le dis tout de suite. Soken, c'est un bœuf. Hein.
C'est un compilateur qui a créé la grande majorité de bandes son de FF14. Hein, et on est à plus de 10 ans d'FF14. Ça veut dire que niveau musique, le mec il s'y connaît. Hein. Dont la qualité du travail le range aux côtés des grands musiciens de la série comme Nobuo Uematsu ou Musashi ou Masashi Amazu, ce qui est tout à fait normal et je confirme. Si avec tout cela, on a le droit à une belle équipe qui donne envie d'avoir confiance, on l'est tout en plus quand on jette un œil à son directeur créatif Kazutoyo Maehiro. Ça, c'est chaud de dire. Bon, présenté comme ça, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais le monsieur a travaillé sur de nombreux jeux cultes. En charge des romans interactifs de Final Fantasy Tactics, il est le directeur des décors de Vagrant Story avant de jouer le rôle de concepteur en chef dans les combats de Final Fantasy XII. Et surtout, d'être le scénariste en chef de la version 2.0 d'FF14. Un monstre, le scénario de FF14, il est juste magnifique. Il s'occupe également de l'histoire de la première extension du titre, Heavensward. Un bijou de narration, un bijou d'écriture. Si vous êtes bien renseigné, vous avez compris qu'il fait partie de la garde rapprochée de Yasumi Matsuno, un développeur japonais à l'origine de la plupart des projets cités plus haut. Ce dernier se démarque dans les années 90 avec ses titres qui mettent en scène une géopolitique théâtrale ainsi que les réflexions philosophiques qui en font des œuvres passionnantes et cultes. Cet héritage, on le retrouve dans Final Fantasy XIV et donc dans FF16. Et on le sent clairement, rien qu'au niveau des invocations dans FF16, on le voit, on le sent. Avec une approche différente de la Creative Business Unit 1. La Creative Business Unit 1, c'est Yoshinori Kitase, celui qui s'occupe du remake. Hein. C'est l'ancienne équipe. Avec une approche différente, qui se focalise plus sur les personnages que sur l'univers du jeu. Final Fantasy XVI est l'occasion parfaite de découvrir cette façon de raconter une histoire avec le budget d'un triple A. C'est très important ce qu'il vient de dire. C'est très très important. C'est clair que dans Final Fantasy VII et les premiers, c'est des personnages qui nous ont accrochés. On est d'accord là-dessus, Cloud, Sephiroth, Squall, des trucs comme ça, tu vois. Là, c'est l'occasion parfaite de découvrir cette façon de raconter une histoire avec un budget d'un triple A. Ça veut dire que l'histoire, elle va être au centre du récit d'FF16 et ça, c'est magnifique. Moi, vous me connaissez, les gars. Moi, il me faut de l'histoire, ça, c'est sûr et certain. Enfin, la nouveauté, un saut vers l'inconnu. Là où FF16 se démarque de Final Fantasy Rebirth, c'est qu'il s'agit d'une expérience totalement inédite. Du côté de Rebirth, celui a la double casquette d'être à la fois une suite, mais aussi un remake. Du coup, il s'agit encore moins d'une véritable nouveauté puisqu'on connaît déjà le système de jeu et qu'on a une idée des scènes que l'on va retrouver. Malgré tout, on aura droit à une grande part de mystère et de révélation car FF7 Remake nous a bien fait comprendre que les événements de Rebirth ne seraient pas identiques à ceux du titre de PlayStation 1. Même en sachant cela, on connaît très bien l'univers d'FF7 et ses personnages depuis 25 ans, tellement le jeu a été révolutionnaire à son époque. Je suis tout à fait d'accord. Même si dans le Rebirth, on aura des nouveautés, c'est un univers qu'on connaît. Gaïa, on connaît. On connaît l'histoire de Cloud, on connaît l'histoire de Zack, de Sephiroth, etc., de la Shinra. Ce n'est pas un monde inconnu. Alors que là, il vient de dire que FF16, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau continent. Vous voyez, c'est un nouveau monde. Et là, c'est une autre prise de risque parce qu'on saute vers l'inconnu, comme ils le disent. Je suis très, très... Pour le moment, je suis très satisfait de cet article. À côté, Final Fantasy XVI apporte vraiment un vent de fraîcheur avec une expérience qui ne contient que des choses inédites. Bon, certes, si tous les épisodes de FF sont indépendants des uns des autres, on retrouve quand même un certain nombre de similitudes. Les chocobos, les mogs, les classes, les magies ou encore les invocations qui jouent d'ailleurs un rôle central dans FF16. Et ça, on revient à la source, ça fait trop plaisir comme à l'époque des FF10 quand les invocations elles étaient à la source. Ça, c'était génialissime. Mais surtout, ça n'est que mon avis, hein, les gars. Hein. Attention. Hein. Malgré ça, découvrir une nouvelle expérience reste précieux en 2023, surtout dans une industrie de plus en plus frileuse qui se repose sur les mêmes licences pour faire des suites, des remakes, des remasters ou encore des spin-offs pour éviter tout échec commercial. Et si FF16 peut être considéré comme une suite d'une grande franchise, vu que tout ce qu'il propose est inédit, aussi bien le gameplay que son univers en passant par son scénario, alors on peut l'accepter comme une vraie nouveauté. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo
où je me confie à vous, je me livre à vous. Qu'est-ce que je pense du jeu vidéo maintenant? Pourquoi Final Fantasy VII Remake m'a apporté ce vent d'air frais? Maintenant, Final Fantasy VII, les gens qui sont frileux du changement. J'en parlerai dans une vidéo qui est très importante. Ça va être vraiment une vidéo... vous avez besoin que d'écouter. Je ne vais pas mettre d'image, des trucs. C'est vraiment un podcast. Je vais parler pendant je ne sais pas combien de temps, tout ce que j'ai à dire, mais on verra. Alors, en un mot, commençant pour son système de combat unique pour la série, les inspirations de ses développeurs et sa proposition originale qui n'est ni une suite ni un remake, vous devriez attendre Final Fantasy de pied ferme, FF16 pardon, de pied ferme, tout comme moi. Eh bien, franchement, j'ai beaucoup aimé cet article. Je pense exactement comme lui. Pour cet article, je suis vraiment content d'avoir lu cet article avec vous. D'accord ? J'attends FF16 avec impatience de ouf. Mais le Rebirth, c'est aussi, comme il l'a dit, c'est un monde qu'on connaît, mais il y a des nouveautés qui vont nous surprendre. Et c'est la Business Creative Unit 1 qui s'occupe de ça. C'est l'ancienne équipe et ils connaissent leur jeu. Ils savent comment tendre vers les fans. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait longtemps que j'ai pas lu... des articles comme ça. N'hésitez pas si vous voyez, parce que moi j'ai pas le temps ces derniers temps d'aller dans vraiment aller dans les sources. Si vous avez des articles ou des concrets, du concret, pas des trucs putaclic de merde, là je me suis bien amusé en lisant. N'hésitez pas à me les transmettre, hein, comme ça si je peux en faire une vidéo, j'en ferai une vidéo. Pour une fois, bien joué jeuxvideo.com, c'est un bon article. Pourquoi il aurait dû écrire pourquoi Final Fantasy XVI est aussi excitant que Final Fantasy VII Rebirth. Et là, tu développes tac, 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 tac. Par des dires plus excitant, je comprends sa philosophie, je vois où il va en venir parce que FF16, c'est une totale nouveauté, c'est une totale prise de risque et vous me connaissez, moi, les prises de risque, j'adore ça. Mais désolé, FF7 Rebirth, c'est une putain de prise de risque aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Encore une fois, ça m'a fait plaisir, tant que c'est de parler de Final Fantasy, ça me fait plaisir de ouf. Allez, c'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao !